À tout de suite. Oui, Martine. Oui, c'est vrai que c'était chaud niveau timing. Enfin, tu sais comment ça se passe, hein. C'est souvent dans l'urgence qu'on boucle les cas difficiles. Ouais. Oui, pas de souci. Je te rappelle pour le dossier Legendre. Ok, à demain. Bye bye. Hop. Pas mal. Et attends, tu sais pas tout. J'ai bouclé le dossier Morin. Ah ben moi, j'aimerais bien en dire autant que le dossier Moretti. Je m'en sors pas, ça commence à me stresser. Bon, allez Norbert, un peu de stress, ça va te booster. Ouais. Allez hop, au suivant. Je suis arrivée ici à 6 ans. J'avais fait une école de commerce et je connaissais pas du tout le milieu des assurances. Moi, ce qui m'a tout de suite plu dans ce job, c'est cet esprit d'équipe. Et puis travailler sous pression, ça me rappelait la compétition. En fait, j'ai fait beaucoup de basket et à un bon niveau. Ici, c'était mon premier vrai travail. J'étais super contente, j'avais tout approuvé. Oui, donc je vous envoie le mail d'ici une heure. En fait, je crois que tout a changé quand on a fusionné avec cette autre compagnie d'assurance. Réunion. C'est parti. Allez, let's go. Si je t'ai bien compris, Philippe, ça veut dire qu'à partir de maintenant, on va devoir traiter chacun 10 dossiers supplémentaires par semaine. Mais on aura une personne en plus avec nous ? Ça, c'est un autre problème, Camille. Non, ce qui se passe, c'est que on va surtout changer notre façon de travailler. Pour chacun de vous, on va mettre en place un tableau de bord. Comme ça, on pourra voir chaque semaine le nombre de dossiers que l'on traite, le nombre de dossiers qui restent en suspens et le nombre de retours. Et puis tous les jeudis, on fera une petite réunion. Je les appelle les BRH, bilan de résultats hebdomadaires. Je commencerai par revoir un par un et ensuite on fera une réunion avec toute l'équipe. Des questions ? Alors on y va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous rappelle qu'il y a une belle prime à la clé. Ben là, en matière de pression, on était passé un cran dessus. Au début, c'était un vrai challenge. On s'était tous piqués au jeu. C'était à celui qui abattait le plus de dossiers. C'était super stimulant. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait. Et puis après, il y a Michel qui est parti du service des sinistres. Camille a repris une partie de ses dossiers, et puis moi, l'autre partie. Et là, ça commençait à devenir très difficile. J'ai eu le siège au téléphone ce matin, on aurait dû le recevoir traité la semaine dernière. Nicolas, vous pouvez vous charger de ça? On peut arrêter, s'il vous plaît. Excusez-moi un instant. Oui. Mais non. Monsieur Lenoir, merci d'avoir patienté. Vous avez dit qu'il fallait 15 jours, non, ça n'a pas changé, c'est 15 jours. Voilà. Pas la peine de me rappeler, non? Oui, pour le moment, je suis en stand-by, j'attends toujours. Il y a le service contentieux qui me tâne là depuis ce matin. Je peux pas tout faire là, c'est bon! Mais je peux pas me débrouiller toute seule! Monsieur Lenoir, je suis désolée, je vais être obligée de vous rappeler d'ici une demi-heure. Oui, je vous remercie. Merci, au revoir, monsieur. Ça, c'était une journée comme les autres. Et puis, il y avait les soirées aussi. T'es sûr que tu veux pas que je te file un coup de main? C'est bon, Norbert, merci. Ok, ok. Bon, à demain. Allez, ciao. Oui, ciao. Oui, je sais, mais demain c'est mon BRH et il faut que je prépare mes résultats. Et je suis désolée, mange sans moi. Je t'appelle quand je pars, d'accord? Oui. Salut. C'est vrai que ça commençait à devenir très dur. Tout le monde commençait à fatiguer, et pas seulement Camille. Il y a eu Nicolas qui a été arrêté un mois pour des problèmes cardiaques. Et nous avons eu aussi Norbert. Norbert, lui, c'était les cervicales. Allô? Camille? Bonjour, c'est Philippe. Ça va? Oui. Bon, dis-moi, t'as fini ton BRH? Parce que moi j'ai une réunion dans une demi-heure. Bon, on avait dit qu'on se voyait à 8h, il est déjà 8h05. C'est bon, j'arrive. Camille? Ça va? Camille? Un match de basket, ça dure 40 minutes.
Ici, c'est 8h et c'est tous les jours. Ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Il y a plein de choses à faire. Parce que les coups de bourre ponctuels, ça va, mais sur la durée, c'est intenable. Ne quittez pas. Ne quittez pas. À tout de suite. Vous allez pas me dire qu'il est pas réparé. C'est bon, là, réparé ou pas réparé, vous me le donnez. Votre nom, Monsieur Saferi. Monsieur Saferi. Oui. Oh, Kenny, est-ce que t'as fini le portable de Monsieur Saferi? J'ai besoin d'un bon, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez... S'il vous d'accord. Plaît. Allez-y, vous doublez-moi. Non, mais vous voyez bien que c'est... Fabien, faut que je te voie là. Cette fois, faut vraiment qu'on parle. Ça commence vraiment à être lourd. Ça fait 3 fois que je viens quand même. Fais quelque chose. Je ne travaille pas. Moi, je ne rien. Appelez-moi votre directeur. C'est quoi là? On avait dit que l'urgence était Zertix. On change d'urgence toutes les 2 minutes. Faudrait savoir. Non, mais. On en est. C'est pas possible. Vous pouvez pas faire quelque chose. C'est un stop. Attendez. Dès qu'on m'a dit que Fabien était en arrêt maladie pour dépression, bah, bien sûr que je me suis sentie responsable. Hein. Mais comment vous dire, nous aussi, les commerciaux, c'est pas facile. On a la pression, hein, parce que les clients, il suffit pas d'aller les chercher. Hein. Il faut les garder aussi. Et pour se démarquer des concurrents, nous, ce qu'on vendait, c'était du service en plus. Votre ordinateur réparé en 4 jours. Voilà ce qu'on promettait à nos clients. Et les promesses, eh ben, il fallait les tenir. Fabien, on en est où avec les PC Zertix? Non, parce que je viens juste les avoir au téléphone. Ils m'ont dit que leur ordi n'était toujours pas prêt. Non, mais c'est pas sérieux, les gars. On leur avait promis pour la semaine dernière, déjà. Après, moi, je passe pour qui? Non, mais je sais, mais on a eu un problème de livraison. On n'a pas reçu la pièce. Oh, mais tu sais très bien ce que ça représente pour nous, Zertix. Attends, écoute, on est déjà à flux tendu. Hein. Donc, dès qu'il y a un contretemps, bah, on est débordé. J'y peux rien. Oui, bah, tu te débrouilles. Tu mets quelqu'un sur le coup en priorité. Ah oui? Et qui? Hein? Qui? Depuis la formule réparée en 4 jours, là, Fabien, il me mettait une pression dingue, avec des délais impossibles. Seulement moi, à l'atelier, j'ai que 2 personnes, hein, dont un stagiaire. Alors forcément, on n'est pas plus nombreux à l'atelier, réparé en 4 jours, comment voulez-vous qu'on fasse? On ne pouvait pas suivre. 4 jours, c'est bien ce qu'il y a écrit sur votre papier, non? Là, ça fait 6 jours. Vous trouvez ça normal? T'en es où du portable, le X25 de Mademoiselle Fauvel? Je m'y attaque demain. Non mais attends, mais c'est pas vrai, je t'ai dit que c'est super urgent! T'as vu? Tu m'as dit ça pour celui-ci, pour celui-ci, pour celui-ci, pour celui-ci, alors ça va! Ah, ok, d'accord. Bon, je suis désolé, Mademoiselle Fauvel, mais votre ordinateur n'est pas encore prêt. Mais on peut l'avoir au plus tôt lundi. Non, 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 là vous vous moquez du monde, hein. Moi, mon ordinateur, c'est mon outil de travail. C'est pas un jouet. J'ai perdu 2 jours de boulot à cause de toutes vos histoires, là. Réparer en 4 jours, quand même! Vous savez, monsieur, c'est de la publicité mensongère, ça, hein. Moi, si j'avais su, jamais j'aurais acheté mon portable chez vous. Non, mais moi, les clients pas contents, j'avais l'habitude. Hein. J'étais là pour résoudre leurs problèmes. Hein. À mon avis, ce qu'on avait, nous, c'était un problème d'organisation. À l'accueil, par exemple. Bon, on aurait pu faire une vraie file d'attente. Hein. Parce que là, répondre à 3 à 4 personnes en même temps, bah, c'est pas facile. Hein. Surtout si c'est pas du tout efficace, quoi.
Puis c'est vrai que bon, ces derniers temps, je dormais pas bien, j'avais comme des crises d'angoisse, j'avais l'impression d'être tout le temps débordé. Puis un jour, Laetitia est partie en stage. Bah, là, le problème, c'est qu'on n'avait pas du tout anticipé. Et du coup, moi, j'étais tout seul à l'accueil. Quoi. Bon, ce qui est arrivé à Fabien, ça nous a fait réfléchir. Alors on a essayé un peu, de mieux s'organiser. On a embauché quelqu'un à l'atelier et on a réaménagé l'accueil. Ben maintenant, dès qu'un client arrive, on cerne tout de suite son problème et on peut l'orienter vers la bonne personne. Du coup, nos clients sont moins stressés et nous, on est moins un cran. C'est une idée qu'on a eue et je pense qu'on peut en avoir d'autres comme ça. Tiens, tu mets le travail sur la bloquée, sur cette machine. Tu la connais. Ça bloque à chaque fois. Aussi. Alors Gérard, et toi, t'es à quel poste cette semaine? Hein? T'as bien la cantine? La cantine, la fondue est pas pour vous les mecs. J'ai pas été formé pour moi. Lui, il serait bon la cantine. Gérard et Jean-Paul, ça fait bien 20 ans qu'on travaille ensemble. C'est vraiment des gars très très bien, tous les deux. Bon, c'est vrai que Gérard, ces derniers temps, avec la santé de son fils... Ça lui arrive d'être un peu à cran. Et puis, il est plutôt jeune, alors forcément, les changements, il aime pas trop ça. Et quand on a diversifié la production, on a réorganisé tout le travail aux ateliers. Bah dis donc, Maurice, pourquoi tu m'as mis à la graffeuse? Tu sais bien que je sais pas la régler. Ça va aller, Gérard. T'as eu une formation dessus, il y a quoi? Il y a même pas un mois. Bah, tu te fous de moi? Tu crois que c'est en 3 jours qu'on arrive à régler cette machine? Comment tu veux que je m'en sorte? Tu sais que j'y peux rien, Gérard. C'est pas moi qui décide. Maintenant, c'est comme ça, faut être polyvalent. Oh, polyvalent. Un jour, je suis sur la plieuse, un autre sur la graffeuse, le lendemain, au combiné. À la fin, je sais même plus ce que je fabrique, moi. De toute façon, je vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Avec l'expérience que t'as, tu peux régler n'importe quelle machine. Au fait, et ton fils, ça va mieux? Non, pas vraiment. Aïe! Oh, vache. Ça faisait un moment que j'avais mal à la main. Et Jean-Paul, c'est à l'épaule qu'il avait mal. Et puis, il y avait Patrick aussi, ouais. Alors lui, c'était plutôt les crampes d'estomac. Et puis qu'on me dise pas que c'est l'âge, hein, parce que Patrick, il a même pas 30 ans. Non, le problème, c'est les cadences, et puis l'organisation du boulot. On vous trimballe comme ça de machine en machine comme un pion, alors un jour ou l'autre, ça craque. On sait même plus ce qu'on fabrique. Tu vois, l'expérience, hein. On fait de la merde, oui. Gérard, il râlait toujours. Nous, on pensait que c'était à cause de ses problèmes personnels. En fait, on était tous sur le même bateau. Parce que depuis qu'ils ont augmenté les cadences, c'est devenu super dur pour tout le monde. On n'a eu que des pépins. Forcément, sortait moins de carton. Apprendre à servir d'une nouvelle machine, correctement, j'entends. Ça se fait pas comme ça.
Pas trop vite, là. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Paul? C'est trop lourd, ces cartons. Je sentais bien depuis un moment que j'étais pas à 100%. Du coup, je pouvais plus rien faire tellement j'avais mal. On a tous à y perdre à travailler comme ça. Même ceux qui se croient à l'abri. C'est souvent dans l'urgence qu'on boucle les cas difficiles. Ouais. J'ai eu le siège au téléphone ce matin, on aurait dû le recevoir traité la semaine dernière. C'est pas vrai, j'ai dit que c'est super urgent. T'as vu? Tu m'as dit ça pour celui-ci, pour celui-ci, pour celui-ci, pour celui-ci, alors ça va. On vous traballe comme ça de machine en machine comme un pion, alors un jour ou l'autre, ça craque. On sait même plus ce qu'on fabrique. Il y a le service contentieux qui me tanne là depuis ce matin. Je peux pas tout faire là, c'est bon. Depuis qu'ils ont augmenté les cadences, c'est devenu super dur pour tout le monde. Fabien, faut que je te voie là. Cette fois, faut vraiment qu'on parle. Tout le monde commençait à fatiguer et... Ce qu'il faudrait faire pour que ça change. Il y a plein de choses à faire.